Dans le lot des lauréats de cette sixième édition des trophées JP Sport, il y en avait un qui se distinguait nettement des autres, Pierre-Léonard Henvy. Élu meilleure personnalité sportive de l'année 2022, le président de la Fédération béninoise de boxe n'a pas pu s'empêcher d'adresser ses louanges à Dieu, la voix chargée d'émotion. Et pourtant, cette distinction n'est pas la première pour l'homme qui a dédié sa vie au sport. Mais je suis heureuse de profiter de cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour remercier trois fois publiquement. Premièrement, pour déjà votre distinction le 3 décembre 2022 à Porte-Nouveau à travers le trophée de l'unité. Deuxièmement, le samedi 11 mars 2023 à Cotonou, sur l'esplanade du Centre international de conférences, à travers le Grand Prix d'excellence des personnalités publiques et privées, et comme jamais 203, nous voici aujourd'hui en train de célébrer le prix de la meilleure personnalité sportive de l'année 2022. Le patron du noble art a été plébiscité aux côtés d'autres candidats de calibre suite au vote des lecteurs, internautes et acteurs du sport béninois. Et forcément, après une telle victoire, les hommages ne peuvent que pleuvoir de partout. Recevez, Monsieur le Président, avec déférence, toutes nos félicitations. Nous sommes très fiers de vous. Désormais, nous n'avons plus besoin de prouver à qui que ce soit que vous êtes un leader. Que dis-je? Que vous êtes notre leader. Cher honorable Henvy, j'ai voulu vous traduire aujourd'hui mes sentiments en venant publiquement vous adresser au nom de tout le peuple béninois et des femmes du sport en général et du noble art en particulier, mes plus vives et mes plus chaleureuses félicitations. Et j'ose bien croire que vous serez bientôt cité par la chancelière de l'Ordre national du Bénin. Ayant déjà fait ses preuves dans le football et d'autres disciplines sportives, Pierre-Léonard Henvy s'est donné comme challenge de redorer l'image de la boxe béninoise depuis maintenant 2 ans. Une mission qu'il accomplit avec perfection et qui n'est pas passée inaperçue du côté du groupe Jeunesse Promo Sport, JP Sport. Cette cérémonie revêt une importance capitale à nos yeux. C'est vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à aller plus loin. L'excellence dont on parle, c'est ceux qui se battent pour apporter au niveau des genoux. Je vous remercie parce que vous nous avez vus déjà en train de faire des efforts jusqu'au niveau des genoux. Mais nous savons que nous devons continuer la lutte parce que nous ne sommes pas certainement encore à ce niveau. On dit souvent que l'objectif n'est pas toujours visé pour être atteint, mais il peut servir de point de mire. Je voudrais ce matin vous dire combien immense est ma joie d'être parmi vous. Très immense à cette cérémonie, très émotive. Nous avons eu beaucoup d'émotions ici. Des émotions dues au bienfait des trophées JP Sport. Des émotions dues à tout ce que nous avons reçu ici comme honneur. Organisé depuis 2017, les trophées JP Sport récompensent les sportifs, dirigeants et hommes de médias qui se sont les plus illustrés entre le 1er janvier et le 30 septembre de chaque année. La 7e édition sera lancée le 11 septembre 2023.